Mon premier Germinator. Tiens, il n'y a pas de relation possible sans confiance. T'as raison. Une relation sans confiance est à peu près aussi vide qu'un revolver sans balle. Tu as oublié que les filles malines en conservent toujours sous leur chapeau. Au cas où, allez, avance. Mais tu ne sais pas quelle... Je sais exactement ce que je fais, alors avance! Écoute au moins quel est mon plan d'évasion. Tu as les fifi au paradis? Laisse-nous filer, Robinson, ou ton vendredi va déguster du plan. Ça me fend le cœur de te voir partir, Manny, mais... On dirait que ta souris ne rigole pas. Je n'hésiterai pas à tirer. Parfait. De toute façon, il ne travaille pas pour moi. Mais je croyais... Alors ce sera toi! Tu n'en feras rien. Tu as une âme pure, pas vrai? C'est faux! Je suis devenue mauvaise! Quand on enferme quelqu'un, il devient forcément mauvais. Je vais te briser comme un vase made in Taiwan, je vais! Chouette, cette môme. C'est un vrai volcan. Mais en général, une nuit au trou suffit à la calmer. C'est moi, Medge! Domino, fais-moi sortir d'ici tout de suite! Ce doit être une serrure à combinaison, mais il n'y a pas de numéro. Ouvre cette porte! Ce pauvre dame n'a jamais été doué pour les chiffres. Oh, je pourrais crocheter ça. N'importe qui! Si seulement je n'avais pas perdu ma carte de syndiqué au poker. Ce n'est pas drôle! Je suis ici! J'ai dû frapper un circuit important. On dirait que j'ai mis les boyaux à nu ici. Les gorges sont toutes alignées, c'est exactement ce qu'il faut. Bouge pas. Ma lame bloque la gorge de la serrure et la roue reste bloquée. Ma lame bloque la gorge de la serrure et la roue reste bloquée. Sortir maintenant. Mitchie? Oh, le super pro et moi avons fait un malheur avec cette porte. Des années de rapports sur la récolte du corail. Je suis sûr que cette chambre forte renferme d'autres documents. C'est un contact métallique. Ses contacts quand j'ai défoncé la porte avec le super pro. Manny, je savais.
diable se fermer? Et je n'avais pas d'autre solution. Et le vent? Oh. Hey, c'est mon espace. Va respirer l'air de ton espace à toi. Merci de ne pas avoir tiré. Oh, excuse-moi. J'aurais dû te faire confiance, mais c'est que... je viens de passer 2 années plus tôt du rail, tu sais. Qu'y a-t-il dans ces valises? Jette un œil. Ce sont tous les billets pour le 9 Express qu'Hector et Domino ont détourné. Tous volés aux meilleures âmes et maintenant ils moisissent là-dedans. Mais bien sûr. Quoi? Ils attendent ici. C'était ça qui me chiffonnait. À l'époque où j'étais un as de la vente, j'en vendais plein, des billets de première classe. Et ils bougent. Comment ça, ils bougent? Ils s'agitent et se mettent à tourner comme des papillons autour des âmes auxquelles ils sont destinés. Mais ces billets, comme ceux dans la valise de Charlie, c'est comme s'ils étaient morts. Pourquoi Hector et Domino stockeraient des valises de faux billets de première classe? Ce système anti-incendie fait maison semble sur le point de tomber en morceaux. Si on attend que l'eau envahisse la pièce, on pourra atteindre le haut et sortir d'ici. Bon, c'est plutôt décevant. Pas pour moi. Rappelle-toi qu'on ne flotte pas. Ben dis donc, c'était des géants en ce temps-là. Sa lame est moins affûtée que la mienne. Après toi? Que fait-on des valises? De toute façon, ils sont faux. Elles ne passeraient jamais par ce trou. En route! Bon, tu prends les gosses et tu attends que je ramène le bateau. Quel bateau? Eh bien, je vais trouver. D'accord, Manny. Où est-ce que je peux trouver un bateau? Ah, si seulement Glottis était là. Pourquoi il ne donne pas ses burins au nouveau?
Je me suis fait un peu mal en tombant, mais ça m'a permis de trouver un passage. Je dois t'avouer, Glantis, que je te croyais mort. Oh, Manny, j'ai vécu quelque chose de formidable. Écoute. Aucun moteur n'est capable de résister à l'amour que savent donner ses mains. Apparemment, non. J'ai parié que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé! Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise. J'ai parié que ce petit... Je ne tiens pas à m'approcher plus près du bord. De te revoir. Oh. Tu as réussi à le faire flotter. Oh, c'était du gâteau. Le plus dur sera de franchir cette grande barrière de corail là-bas. Franchir la grande barrière de corail? Ok, donne-moi une minute ou deux.
bijoux. En avant toutes! Tu veux vraiment me ramener là-bas pour essayer de récupérer ton ancien poste? Ma seule mission désormais est de t'emmener, toi et tous les prisonniers, jusqu'au terme du voyage. Mais si je ne te sers pas de monnaie d'échange pour retrouver ta place, pourquoi avoir passé tout ce temps à me chercher? Meche, je... Il fallait que je te trouve. Je m'arrange pour te donner une seule mission. Et déjà, tu es en train de tout foutre en l'air. J'espère que tu réalises que ton dossier personnel en portera la trace. Le petit semble en mauvaise posture. Écoute, Dom, je n'ai pas envie de travailler pour toi. Mais tu n'as rien compris, Manny. Tu es viré. Considère ceci comme ta prime de départ. Je ne te crois pas, Calavera. Je savais que tu serais un mauvais perdant. Tu aurais dû suivre mon exemple, Manny. J'ai essayé de te montrer la voie, mais tu n'écoutes pas. Change ton attitude et regarde un peu ce qui pourrait t'arriver.